Et nut nut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Elphoris, petit gamer manchot à votre service. On est aujourd'hui sur l'épisode numéro 13 de Cyberpunk 2077. On s'était laissé l'épisode précédent en train de parler à Maman Brigitte du clan des Voodoo Boys, donc la chefine, comme ils l'appellent, histoire de voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire pour nous. On s'est fait trahir, évidemment, c'est du cyberpunk, on se fait toujours trahir, c'est le but du cyberpunk. Et on avait un choix cornélien à faire. Alors je vérifie juste que j'ai bien... Ouais, j'avais bien ancré mon curseur. Est-ce que elle m'aide avec la puce ou est-ce que l'envoie chier? Je vais accepter son aide. Personnellement, je pense que ce sera le mieux. C'est bon, je vous suis. Let's go. Ellipse narrative. Les ellipses narratives sont bien foutues aussi. Vous avez l'air d'adorer cet endroit. Mais franchement... Je vous sens pas trop la fibre religieuse. On a laissé nos dieux à Haïti, mais on est fort ici sans eux. Par ici. Est-ce que ce serait pas le Baron Samedi qu'on voit derrière? Faut que j'arrête de faire comment cet accent. Ça se fait qu'il savait pas pour la biopuce? Vraiment. Il l'a pas reconnu sur les scans. Peu d'entre nous sont au courant pour la tour Konpeki. Et Placide, ah. Il est... Il y a une bête des bas. Une bête de... Il est bête? C'est ça que tu veux dire? Où est-ce qu'on va? Tu le sauras bientôt. Alors, moi, un truc que j'aimerais bien voir, c'est comment on marche. Attendez. Parce que c'est un peu chiant. Oui, je sais, c'est complètement anticlimatique ce que je viens de faire. C'est très très moche, mais est-ce qu'on peut juste marcher? Ça, c'est un truc qui me manque dans certains jeux. Non, on ne peut pas juste marcher. Ce n'est pas possible. C'est dommage parce que j'aimerais bien juste marcher. Vous voyez? Là, je marche parce que je suis derrière Maman Brigitte. Ah merde. Le Watcher n'a pas remarqué la biopuce en toi. C'est étrange. C'est parce qu'il est White Watcher. Tant mieux. Pardon. Ça nous compliquerait le travail. Voilà, donc en gros, vous voyez, dès que j'ai plus le truc sur elle, je cours. Non, un bout du réseau intercontinental Maglev. Ah! Quand tous les états étaient connectés. Comme le net, il s'est effondré après la guerre. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien savoir un peu plus, vous voyez. Virez courant! Ah, salut. T'es un robot? Non? T'es juste un humain à poil. Très bien. Pourquoi t'es à poil? Je ne sais pas. Mais il est à poil. Oh, la Matrix. La Matrice, pardon. On va aller dans la Matrice? Bon. On va t'emmener dans le cyberespace. C'est oh oui! Parfait pour te laisser interagir avec le construct. Attends. C'est quoi la différence avec un bon vieux taf de Netrunner? L'interface te montre les couches de données directement depuis le net, de manière lisible, bien sûr. Les simples runners ne voient qu'une carte. Ils ne peuvent pas voir sous la surface. Leur technologie n'est pas assez puissante. C'est intéressant. Comment je peux être sûr que je reviendrai? J'ai quoi comme garantie? Tu seras dans notre forteresse de données, sous surveillance. Ouais, la vôtre. Si tu savais ce qu'il y a dans le cyberespace, tu ne ferais pas tant de manières. J'aimerais bien savoir. Alors vous devez avoir votre propre version de l'interface Syntech. On a notre propre version de tout. On n'utilise rien qui vienne de la vie. Ça, j'aime bien ça. Attendez, minute. Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez besoin de Silver End. On veut contacter Alt Cunningham. On sait qu'elle était proche de Silver End. Alt? La relique qui était entre les mains d'Arasaka. C'est notre seule piste. Alt Cunningham. Je connais ce nom. Johnny? Oh. D'où? Et par qui? Par Johnny. Mais il m'a pas dit grand chose. Johnny? C'est bon, V. Je crois que tu devrais lui dire. À propos de quoi? À propos de nous. On lui dit alors. Le construct est actif. Johnny et moi, on peut taper la discute de temps en temps. On regardera ça aussi. Quoi, vous croyez? Ouais, si on peut éviter que je meure. Que je me suis trouvé un ami imaginaire. On ne sait presque rien sur la façon dont un engramme existe dans un réseau neural humain. Je vais vous dire un truc. C'est pas terrible pour l'humain. C'est quoi votre plan pour contacter Alt? On va tenter de récupérer une partie unique de l'engramme de Silver End sur la biopuce. Ok. Alt le saura.
S'il lui reste une part d'humanité après toutes ces années derrière le mur noir, elle répondra. Hein, quoi? Vous avez jamais parlé de percer le mur noir? Je viens de le faire. Direction connectée. Connexion instable. Bon, bah allons-y, écoute, hein. Le mur noir, c'est quoi au juste? Je veux dire, je sais que... Tu sais juste ce que Netwatch veut bien te dire. Le dernier rempart contre les IA après la guerre. C'était donc ça. La victoire de l'humanité contre le chaos. Ouais, le genre de propagande Netwatch qu'on voit à la télé, quoi. Sauf que le mur noir aussi est une IA, avec pour condition limite de ne rien laisser passer dans un sens ou dans l'autre. Si les IA pensaient comme des humains, elles l'accuseraient de trahison. Et pourquoi vous vous intéressez tellement à Alt? Alt est la seule à pouvoir nous faire franchir le mur noir sans risque. Quand le ça, changement se produira, on veut être du côté des vainqueurs. Le changement? Quand le mur noir a été construit, tout le monde pensait que la glace serait suffisante, qu'elle tiendrait les IA dangereuses à distance. Mais la technologie progresse, c'est inévitable. Et maintenant, une nouvelle catastrophe est assurée. Et ce sera pour bientôt. Les corporations ne voient pas le danger. Mais nous, nous serons prêts. J'aime bien ça. Johnny, on dirait que tu vas servir d'appât. Ça te dérange pas? Non, c'est bon. Fais ce qu'elle demande. Ok. Non, sérieux. Pas la baignoire. On doit te préparer à plonger dans le cyberespace. Tu n'es pas habitué à la sollicitation neurale. Essaye pas de te défiler, V. Fais ce qu'elle dit. J'ai pas envie de griller avec toi. Bon, bah allez, hein. Quand faut y aller... Oh, je vais kiffer ma race. Le cyberespace. Oh, putain. Tout le monde dit pas que c'est génial. Vous savez quoi, je vais même vous faire que vous profitiez pleinement. Bon. Et maintenant? Johnny. Il paraît. Paris plongé. C'est vraiment Matri. Putain. On est où là? Notre forteresse de données, notre forum. Une passerelle vers le Deep Net. Ok. Tout est si vivant, si réel. Le cyberespace est en mouvement constant. Il respire. L'interface ajuste le flux des données suivant les capacités de ton cerveau. Mais toi, tu es un cas exceptionnel. Vous voyez quelque chose que je vois pas? Oui. Le cyberespace, il est toujours... trop belle. Alors, on fait quoi? On peut commencer. Tout est prêt. Ok. On a amplifié temporairement ta connexion au réseau neural de Silverhand pour prendre le fragment. On doit trouver les données sur Alt, et rien que Alt. Ça devrait prendre juste... Brigitte? Ouais? Rien faire pour l'instant. Oh. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà vécu ça. Yes! We never fade away!
C'était quoi ça? Putain, t'as pété un câble! Et après, tu vas faire quoi après? Tu vas traîner un corpora sur scène, le fasse doux, l'arroser d'essence et le faire cramer, c'est ça? Ce serait cool. Eh, hey, viens! C'est pas ton groupe! Tu joues pas en solo! Johnny! Johnny! Toi si, par contre. Y'a que toi qui as un problème avec moi. Parce que les autres ont complètement laissé tomber. Ils se disent qu'ils pourront plus jamais être raisonnés. T'es complètement taré! Ça, j'avoue. Tu sais parfaitement pourquoi je fais ça. Oh là la foutre! Continue à faire chier Arasaka et tu finiras par bouffer du plomb. Je suis le seul à avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre! Je veux sa guitare. Putain! C'est le concert, Kerry. Hein? Tu disais que tu viendrais pas ce soir. Pas si tu pouvais l'éviter. J'ai changé d'avis, chérie. Regarde-toi, tout tendu et plein de sueur. Oula! Je prépare le floutage, hein? Ouais. Floutage! On ne voit rien! Il n'y a rien! Rien ne se passe! Il y a de l'alcool! Voilà! Il n'y a rien! C'est faux! Il n'y a rien! Il n'y a rien du tout! Il n'y a que dalle! Maintenant, il n'y a plus rien. On est bon. Oula! Presque bon. Mais non, ne recommence pas! Mais ne recommencez pas! Mais on était bien! On était bien! Pourquoi juste commencer? Vous ne voyez rien. C'est normal, hein? Désolé, YouTube, hein? Pas le choix, hein? De toute façon, vous inquiétez pas, hein? Sur Twitch, ils ont pas la primeur non plus. Hein? Non, c'est pas la boobs qui était gênant. Non. C'est pas gênant en soi. C'est juste que pour YouTube, ça pourrait être gênant. Bon sens que c'était bon. Je peux pas vous montrer plus pour l'instant. On laisse le filtre. Désolé, que ça se résume qu'à ça. On peut, à la limite, je peux me mettre comme ça. À la limite, je peux me mettre comme ça. Quoi? C'est pas assez zen pour toi de fumer après le sexe? Faut aussi réécrire l'art de la guerre. C'est fini, Johnny. Nous, tout ça. Mais je pouvais pas disparaître comme ça, sans un mot. Alors vas-y, parle. Te lève pas. Oh putain, j'ai bien fait de mettre en haut. Connard, quand tu veux, Johnny. Putain, t'as décidé de me faire chier aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. Comment tu peux manquer autant de subtilité? C'est bizarre pour un artiste. Ça baignait entre nous, mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland, je m'en foutrais. Mais c'est qu'un gros mensonge. Ce concert, samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» Ah, les cheveux. Ouh, hop, 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 eh, bah trop tard. Hop, 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 hop. C'est ça. Hop, 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 floutage. Tu crois que j'ai pas mieux à foutre? Je voulais juste te faire comprendre que tu baisses d'illusion. Et que ça tient qu'à toi de changer les choses. Tu nages en plein délire. On est là pour baiser comme des lapins, pas pour me psychanalyser. Putain. T'as la trouille. T'es comme Kerry, vous êtes deux lâches. Y'a que moi qui ai les couilles de tenir tête à Arasaka. Et ça vous terrifie. Tous. Mais oui,
Johnny S, le grand incompris de Night City, bien sûr. C'est ça le problème. On va en rester là pour aujourd'hui. Hein? Tu peux te casser. Ok. Tu sais, je me disais... Tu disais quoi? Tu pensais que ça voulait dire quelque chose? Qu'on était proches? Au point de pouvoir me faire chier sans arrêt? Ouais. Eh ben, tu t'es fait des idées, alors. Ah! Pas de représentation LGBT dans Cyberpunk! Kerry, t'es juste avec un mec, hein. Où tu vas? Tout va bien. On a eu un trans et un gay pour l'instant, hein. Et je pense que si on cherche, il y en a d'autres. Halt. Arrête. Garde ta salive. J'ai pas confiance aux deux cons, d'ailleurs. Allez, tu vas me faire la gueule combien de temps? C'est ce que je pensais. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker? Une autre fois, Chumba. Mais s'il y avait pas d'autre fois, hein, Johnny Boy? Lâchez-moi! Ah, shit! Salut? Non! Putain, t'as démenti, ce connard! Mais il est mort combien de fois, lui? Il est mort combien de fois, Johnny, sans déconner? Allez vous faire foutre! Me touchez pas! Sans déconner! Johnny! Lâchez-moi! Ok. Je vais disparaître. Ah! Un chat! Vraiment pas raté. Néo? Néo, c'est toi? C'était tellement Néo. Ça faisait un bail, Johnny Boy. Ça fait quoi? 2 semaines depuis ton dernier rafistolage? Ta sale gueule m'a manqué. Ah, Maître Gims. Foutaise. T'aurais au moins pu me passer un holocall. Pommard de mes deux. T'étais censé revenir pour ton suivi. J'aime ce gamin comme un fils. Ouais, je vois ça. C'est pas trop moche, là, en bas? Ben, on peut dire que t'en es à un point où, si je t'enfonce un tube de plus dans le cube, tu pisseras du café latté. Sympa. J'ai aussi ajouté un foie synthétique. L'ancien ressemblait à un sac en papier rempli de merde. Génial. À moi la vie éternelle. C'est pas plus mal. Ok. Halt, elle est où? Qui est où? La femme qui était avec moi. Il m'a ramené que toi. Merde. Ils l'ont emmené. Personne n'a rien vu. Demande à ton sauveur. Il dit qu'il s'appelle Thompson. C'était toi? Là-bas, sur Watts? Il faut qu'on parle. Bon. J'ai recollé comme j'ai pu. Mais ça devrait tenir. Repose-toi un peu. Quelques heures. Le temps que les sutures prennent. Ah. Ouais, je pense qu'on va pas tenir Johnny. Quelques heures. Ah, et puis merde. Tu m'écouteras pas de toute façon. Ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'as vu? Pas grand-chose de plus que toi. C'est elle qui le voulait. Toi, t'étais au mauvais endroit. Et toi, t'es resté là comme ça, la bite à l'air, à mater comme un con en rêvant de demain.
On se serait fait larder tous les deux si j'étais intervenu. T'as vu les réflexes du Zig? Non, bien sûr, il était trop rapide. Ce genre de tech, ça se trouve pas dans une poubelle. Bon. Tu veux quoi? Tu cherches un scoop? De quoi alimenter les infodocs? C'est pour ça que tu m'as ramassé sur le pavé? Non. Je le tenais, mon scoop. Mais des Zig l'ont balancé au fond d'un van avant de filer. Tu comptes... faire quelque chose pour elle? C'était bien ta femme, non? Ça te regarde pas. T'es pas sûr, hein? Ouais. Je savais qu'il y avait des tensions, que t'allais voir ailleurs. Franchement, je m'en tape d'où tu trempes ton biscuit. Je veux juste savoir pourquoi Arasaka l'a emmenée, elle. L'enlèvement d'Alt, c'est un dommage collatéral. Ils l'ont prise pour m'atteindre. Tu sais même pas comment elle gagne sa vie, hein? C'est une des meilleures runners au monde. Et après? Y en a d'autres? Non. Son seul lien avec Arasaka, c'est qu'elle couche avec Johnny Silverhand. Elle bossait pour ITS ces derniers temps. Elle leur a écrit de la glace noire de compète. Impossible à contourner ou à dupliquer. C'est elle qu'Arasaka voulait. L'enlèvement était un échange intercorpo standard. Rien de plus. Attends. Alt avait rendez-vous avec toi ce soir. Elle disait qu'elle avait besoin de mon aide. Elle plaisantait pas. Arasaka en était pas à son coup d'essai. Mais Alt avait pu leur glisser entre les lames. Tu dis qu'elle avait la trouille. Et que c'est toi qu'elle a contacté. Ouais. Et franchement, je comprends mieux pourquoi. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Le tueur d'âme, une IA. Oh merde! Dit quelque chose? Ouais, un peu. Une légende urbaine avec un nom vraiment pourrave. Vidgur, le tueur d'âme existe. Et Tetchumba d'Arasaka viennent de recruter la runner qui l'a écrit. Tu réalises? Arasaka avec le tueur d'âme dans leur poche. Y a de quoi s'inquiéter. J'avoue. Imagine un peu, Rocker Boy. Arasaka va devenir invincible. Cool, tu me raconteras le reste en chemin. T'y crois pas vraiment, c'est ça? C'est un coup vieux comme le monde. Arasaka voulait me provoquer. Et ça a marché. Allez, viens, on se part. Bon alors, est-ce que tu viens? Hein? Où ça? La tour Arasaka. On va récupérer Alt. Quoi? À deux? T'as complètement perdu la boule? On va faire un saut à l'Atlantis. J'ai quelques tchoums là-bas. Ok. Non, c'est pas fini. J'ai cru que c'était fini, mais... Il roule pire que moi. J'attends dans la caisse, mais pas trop longtemps. T'attendras aussi longtemps qu'il faudra. Elle est où, Rogue, bordel? Assis. Pas bouger. Ah bah là voilà. Non, on peut demander. Ren, j'ai ton autographe sur une facture là. Derek, c'est ton jour de chance. Ah, j'ai besoin merci, de lui. Merci, j'apprécie. Je te sers un verre. La même chose que d'habitude. Voilà, sinon, pour de vrai... T'as vu Rogue? T'as pas vu Rogue? Il est en haut. Et je croyais que vous deux... Ouais, bah t'as du mal comprendre. C'est pas comme quand moi je bois, hein. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup moins merdique, hein, clairement. Putain de merde! Hey Johnny, tu me files un coup de main? Je croyais que tu voulais plus me parler. Ah ouais? Ben là, je te parle. Et maintenant? Maintenant, tu peux aller te faire mettre. J'en étais sûr. Tu sais à qui il a causé? Un nom, c'est tout ce que je te demande. Oula. J'en ai aucun souvenir, désolé. Ça pue la merde ça ou c'est moi? Bon, où est la petite Rogue? Tu voulais deux fois, 3 minutes.
Encore faut-il la trouver. Ah, attends, on peut parler à quelqu'un? Salut. Tu viens d'où? De ton cul. Sinon. Non, sans déconner, elle est où? Parce que moi, je veux bien poser des questions, mais... Ah oui, d'accord. T'as vu Rogue? Non, pas aujourd'hui. C'est dommage, parce qu'on en a besoin. Bon, t'as vu Rogue? Johnny. Ça y est, Angels. Comment est-ce que tu vas, Engels? Il y a une réunion en cours. C'est privé. Est-ce que Rogue est là aussi? Ouais, mais... Ouais, je sais. Réunion privée. J'ai entendu. Je te promets d'être super discret. Alors celle-là, c'est bizarre comme j'y crois pas 5 secondes. Je peux détester cette ville de merde. Je hais ces fixeurs sournois. Et ce putain de bar. Et tu préfères... Johnny. Désolé. Je te connais pas. C'est pas un souci. Ce qui compte, c'est que tout le monde connaît Johnny Silverhand. Il me rappelle quelque chose, lui, non? J'ai besoin de ton aide. On attend un client. Le genre qui apprécie la discrétion. Tellement discret qu'il préfère carrément pas se pointer. Ça sert à rien de rester là. Tu m'en veux toujours pour cette histoire? De quoi tu parles, Johnny? Du fait de m'avoir menti sans sourciller? D'avoir mis en jeu la vie de mes amis? Ou du fait que tu tringlais 3 autres femmes dans mon dos, alors qu'on était encore ensemble? T'amuses, toi? Ok, on a eu une histoire compliquée. Mais là, franchement, on n'a pas le temps pour les sentiments. Moi, j'ai tout mon temps. J'ai un boulot. Un truc qui urge. Mais je les ai dit. Combien? Te mêle pas de ça, c'est pas tes oignons. Allez! Si. Depuis que le Rocker a sorti son larfeuille. T'as pas compris? Il est pas du tout là pour le boulot. Il vient me faire chier. La dernière Alors, fois, sois il... plus maligne cette fois. Demande le pognon d'abord. Alors, le Rocker, combien? Beaucoup. C'est important. Votre prix sera le mien. Ah, ça veut dire que soit t'es blindé de thunes, soit tu penses qu'on va y rester. Dans tous les cas, le Rocker, tu nous accompagnes. Marché conclu. C'est ça. C'est urgent, en effet. Bordel, Johnny! T'as pas remarqué que t'étais suivi? Monsieur Silverhand. Bonjour. Vous allez venir avec nous? Je crois pas, non. Pas de problème. Je finis juste mon verre. On y va, les mecs? Fini, il faudra une pelle pour les ramasser. J'en ai vu un juste derrière, là, ouais. On nous attaque! Putain, ce flingue. Putain, quelle popularité! Ce flingue! Ouvrez le feu! Putain, te fais pas repérer. T'es pas mort. Bah voilà, maintenant t'es mort. Franchement, le kiff, c'est un vrai pied de joue avec lui. Non. Parce que c'est un kiff de jouer Silverhand avec ses putains d'armes pétées là. Parce que son arme vraiment, elle met du temps à recharger hein, mais elle est putain de pétée et je la veux. Bon, par contre niveau vie c'est pas ça. Vous avez vu la vie qui remonte sans déconner? Je dois avouer. On est bon? Ça a l'air. Allez, on se tire d'ici. Tu veux jouer? D'accord, on va jouer. Maintenez la pression! J'engage le combat! Effectivement, ils sont rapides, hein, les cons. Hein.
et les armes techniques, j'adore ça. Putain, mais casse-toi de devant moi, j'arrive pas à tirer, Rogue. Bon, on a gagné. Pas de surprise. Un petit pompe, ça pourrait servir, non? Tu veux pas me le donner? Ah putain, parce que je joue Silver Edge, je peux pas le... Chier. Bah, vas-y. Tu me vises, t'en déconner? Allez, Rogue, vite, on y va. Au boulot. Allez, grosse, rentre. Ça va prendre encore longtemps. On arrive. Time t'emmerde. Parie ce que vous voulez qu'il y en aura d'autres en bas. Je suis prêt. Alors, en attendant, hein, comme j'ai pas pu parce que ça a été vachement vite. Re-coucou, ça va? Bref. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi dans le cyberespace on doit se taper ça. Thompson m'attend dans la voiture. Un journaleux, tu ne connais pas. Là-haut. C'est bien par là qu'il faut que j'aille, hein. Son arme est pétée, mais faut vraiment réussir à le toucher, par contre, hein, parce que... Ah putain, il s'est mis là-bas, fait chier. Allez, go! Monte, monte, monte! Foutons le camp! On sera juste derrière toi! Oh, je sens que ça va être amusant! Je sens qu'on va sortir du véhicule pour tirer! Ce qui est pas le meilleur gameplay, mais ça passe bien. Oh oui, devant nous, regarde. Attention, on nous file le train! Donc, effectivement, sort! C'est pas simple, hein. Vous êtes mort, la culotte de corps. Tiens, le conducteur. C'était pas mal, ça. Oui, c'était pas mal, mais la voiture fume un peu. Je dirais même qu'il y a une flamme, capitaine. Alors on fait quoi maintenant? Vous les ferez, Vista! Prends la prochaine à droite! Tu tiens le coup? Ça va. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je crois qu'on en est débarrassé. Je vais me garer. Oh non. Non, non, on n'en est pas débarrassé, c'est sûr et certain. Trop simple. C'est Arasaka quand même. Trop simple. T'es content, Neo? Bon, alors qui on doit faire sortir de chez Arasaka? Alt Cunningham, une Netrunner DTS. Ah. La tour, sûrement là-bas qu'ils l'ont emmenée. De mieux en mieux. Vous comptez vous y prendre comment, les pommards? L'un de vous a un plan? Ouais, on va faire du bruit, détourner leur attention. On va s'installer juste sous les fenêtres d'Arasaka et envoyer du gros son. Tout volera en éclats. Lol. Ce sera un concert mémorable. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ah oui, ils l'ont fait.
sont sur place au pied de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis, un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Toute la foule est affectée. Génial. T'es en train d'enregistrer tout ça? Pourquoi? Tu veux faire une dédicace à tes potes? Fais ce que t'as à faire, mais te mets pas sur ma route. J'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce qui se passe. Thompson, tu le connais bien? Il est juste à côté de toi. Non, c'est important. Il m'inspire pas confiance. Et les médias, ça porte la poisse. Hein? Ça craint. Imagine qu'on trouve une vidéo après. Une vidéo de nous forçant l'entrée de la tour Arasaka. On s'occupera de ça si on survit. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. On s'occupe dès demain. Je te cache toujours. L'ordinateur central. Il faut qu'on le trouve. J'ai eu les deux en même temps ou c'est moi? Attention, ils arrivent. Putain, quel enfoiré. Il y a les mates devant. Tu veux jouer comme ça? Prenez cette position! Encore 5 secondes et on entre. Prêt? Président? Non? Contact! Réglons ça rapidement. Ça marche plutôt bien. C'est bien passé. C'est utile finalement. Sur ordinateur central? Pas du tout. Ça va être là. On tire dessus! Non, pas encore. D'accord. Maintenant on tire dessus. Merde, il est fort ce con! Non, non, c'est passé tout seul. J'ai repéré une tourelle. Pense-toi. Ah oui, elle est là. On a gagné. Elle se fait. Easy. L'autre, il ressemble à... Non, maintenant, c'est Wesker, quoi. Il avance doucement avec ses lunettes, là, vas-y. On les défonce. Laisse-moi essayer. Mais non. Oh, les fils de pute! Ouais. Oula! Essaie avec ça. Ah. On a bien fait de l'emmener. 2, finalement. 1. Parfait. Tu ferais bien de rec. Attention! Ah merde, on a un boss en fait. De quoi? Qui me tire dessus? Ah bah y'a l'autre connard derrière. Il se la joue vraiment à la Wesker l'autre. Hein. Ok. Effectivement, Silverhead, c'était un crack. Hein. Je vous conseille de ne pas la déranger. Qu'est-ce que vous avez fait à Alt? Je lui ai offert le projet de sa vie. Dégage de là.
carrément. Oh putain, il l'a débranché. Halt. Halt. Allez, me fais pas ça. Elle est... Putain. Johnny. Qu'est-ce que tu fous, là? Putain, tu filmes encore? C'est... Ça changera rien. Elle est... Johnny! Arrête, Johnny! Tu vas le tuer! On peut partir. Johnny, elle est morte. Je crois pas. Je suis d'accord avec Caldé, elle est dans un engramme. Ah! De retour. Bon, ben vas-y, crache ce que t'as à dire. Thompson, il lui est arrivé quoi? Je sais pas, on n'a plus jamais bossé ensemble. Peut-être parce que tu lui as botté le cul pour te sentir mieux. Je sais pas, c'était un vautour. Il vous laisse servir d'Halt depuis le début. Quand Arasaka l'a liquidé, pour lui, c'était Noël en avance. Putain, il l'aurait tué lui-même s'il l'avait pas fait. Tout ça pour son scoop de merde. Thompson, il a fait quoi de l'enregistrement? Il a été diffusé? Ah ça, non. Ok. Tu m'as jamais rien dit de tout ça sur Halt. Ah bon? Quoi? Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Je sais pas. Que vous étiez en couple. Qu'elle a codé le tueur d'âme. Qu'elle est morte. Comment elle pourrait nous aider maintenant? C'est un fantôme. Elle est pas morte. Elle a réussi à s'échapper. J'ai vu son corps. Johnny s'est enfui. Sur le net. C'est des conneries. Ces histoires de runners partis dans le paradis du net, j'en ai entendu plein. J'aurais jamais cru que tu t'y mettrais aussi. J'ai pas besoin que tu me crois, tant que tu fais exactement ce que je te dis. T'as découvert ça quand? Quand elle m'a contacté, un peu après. Et alors? Elle t'a dit quoi? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Arasaka, mais qu'il pouvait rien lui faire. Et elle m'a aussi dit de pas aller la chercher. Hein? Pourquoi? Elle tenait à ce que pour une fois, je laisse tomber l'affaire. Elle disait que trop de gens étaient déjà morts pour rien. Et alors? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé par me procurer 2 charges thermonucléaires. C'est donc ça! Et après, t'es retourné à la tour Arasaka. T'es sûr qu'Halt est toujours là? Ça fait un demi-siècle. Et t'es resté coincé tout ce temps dans Mikoshi. Netwatch aurait pu la localiser il y a des années. Oh, ils ont bien tenté, crois-moi. Mais ces débiles de Corpo peuvent rien contre une IA qui sait comment fonctionnent les gens. Ils la cherchaient dans le Crystal Palace. Alors qu'elle, elle construisait Ghost City pour Kang Tao. Et Rock t'a suivi. Encore. Je l'ai bien payé. T'as dit toi-même que c'était la meilleure, qu'elle avait des tas de contrats. Mais pour une raison étrange... Elle a accepté d'aider un rocker suicidaire. Un rocker qui se faisait toujours laminer par Arasaka. C'était une autre époque. Les mercenaires étaient pas encore vendus au corpo, gamin. Il suffisait simplement de gueuler « Allons-nous faire Arasaka » pour tous leur filer la trique. Y compris Rogue. Les Voodoo Boys pensent savoir où elle est. Derrière le mur noir. Là où personne pourra l'atteindre. Et Brigitte est bien décidée à y aller, à le percer. Juste pour contacter Halt, pour lui parler. Alors, on a peur d'être dépassé. Ben un peu, ouais. On y va? J'ai l'impression que c'était plus long qu'un moment. J'ai vu une partie de la vie de Johnny et Halt. C'est possible. Les données de Halt sont liées à une très forte empreinte mémorielle dans le construct. Très forte.
Ces souvenirs ont dû provoquer une puissante réaction émotionnelle qui a été projetée dans ta conscience. Ouais, émotionnelle, c'est le mot. Et pas que. Le construct, il est dans quel état? Il reste assez de données non corrompues pour dire à Alt qu'il est authentique. Ça veut dire quoi, bordel? Alors, ça a marché? Oui, on a extrait un fragment de l'engramme de Silver End. Maintenant, on est prêt à contacter Alt. D'abord, on doit aller plus profond. Plus profond. Dans les boyaux. Eh ben ça, c'est ce qu'on fera, mon cher YouTube. Bien évidemment, la prochaine fois, dans le prochain épisode, oui, je ne suis pas prêt d'aller manger, putain, j'ai faim. Mais là, tant qu'on n'a pas terminé cette quête, il faut que je continue, moi. Tant qu'on n'est pas sorti et qu'on n'est pas libre à peu près, il faut que je continue. Je peux pas m'arrêter là. Donc je vais juste sauvegarder si c'est possible. En plus, je ne peux même pas sauvegarder. Sauvegarde rapide, à la limite. Allez, même pas. Ouais, d'accord, super. Eh ben écoutez, du coup, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à l'épisode numéro 14, du coup, qui sera toujours sur cette session de stream. Je m'attendais pas à un si gros morceau quand même, mais effectivement, c'est un gros, gros morceau. Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Je dis à tout de suite, pour Twitch et YouTube, bah, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, bien évidemment, le pouce bleu et les commentaires. Bye bye.